Alors, pour le mécanisme, c'est simple. Nous avons une télécommande Lego, normale, que vous devez sûrement connaître. Moi, j'ai mis une petite... après ça, la machine, elle est ici. C'est la première machine que je fais avec le Power Function parce que en fait, j'avais pas la patience à vraiment en faire. Puis j'avais aucune idée de qu'est-ce que je pouvais faire, mais là j'ai une idée. Bon, tous les fils que vous voyez ici, c'est plus des fils de lumière pour éclairer. Vous l'avez sûrement vu dans la vidéo. Ici, tu vois, vous avez deux lumières comme ça qui font de la lumière quand on allume. Vous voyez, je vais vous donner la liste technique tout à l'heure. Les lumières, un moteur, une roue, des engrenages. Ici, nous avons la Hubba Bubba. Et quand on l'active, en fait, tu fais dérouler par ça, ici. Voilà. Et il sort. Mais là, elle est trop sur le côté. Fait que ça marche pas bien. Mais sinon, normalement, c'est pas faire chier. Voilà. Ça fonctionne. Très bien. Donc, plus précisément, nous avons les pièces que je vais vous présenter tout de suite. Alors voilà toutes les pièces techniques que j'utilise. Nous avons ici deux sets de lumière pour l'éclairage. Après ça ici, nous avons le moteur je crois que c'est le moteur le plus fort. La battery box, la télécommande. Et le récepteur de la télécommande. Voilà, c'est tout pour les pièces. Donc.